Entre deux guerres. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Italie est obligée d'exploiter les matières premières qui se trouvent sur son territoire, car les importations sont difficiles et coûteuses. La Vallée d'Aoste connaît alors un développement industriel fondé sur la mise en valeur des mines de fer de Cogne et de charbon de la tuile, utilisées par la société Ansaldo, qui construit une grande aciérie à Aoste en 1917. Dans l'après-guerre, d'autres industries métallurgiques et textiles, comme la soie de Châtillon, naissent en exploitant l'énergie produite dans les centrales hydroélectriques construites dans la Haute-Vallée et dans les vallées latérales. Ces industries emploient plusieurs milliers de travailleurs qui proviennent pour la plupart de l'extérieur de la vallée. La population de la ville d'Aoste et des bourgs industriels de la Basse-Vallée augmente, tandis que la montagne commence à se dépeupler à cause de l'émigration vers la plaine ou à l'étranger. Le grand nombre de travailleurs de l'industrie favorise la diffusion des idées socialistes. La majorité des électeurs valdôtains votent cependant pour le catholique du Parti populaire, tandis que le Parti libéral est en crise à cause des divisions entre les différentes personnalités qui le représentent. Les socialistes et les populaires sont favorables à une décentralisation administrative, qui pourrait améliorer la situation des régions les plus défavorisées. L'idée d'une autonomie régionale est soutenue aussi par la Ligue valdôtaine. L'annexion à l'Italie, à la fin de la guerre du Tyrol du Sud, dont la population est de langue allemande, a posé le problème du respect des minorités linguistiques. On pense d'accorder un statut d'autonomie à cette région, et la Ligue propose la même solution pour la Vallée d'Aoste francophone. La situation politique en Italie est difficile à cause des déséquilibres socio-économiques provoqués par la guerre. Le mécontentement est généralisé. Les socialistes organisent de l'agitation populaire qui souhaite la révolution prolétaire. La bourgeoisie libérale, les industriels et les grands propriétaires fonciers, préoccupés par les désordres et les grèves, décident d'appuyer une nouvelle formation politique, le Parti fasciste, qui représente la partie la plus fanatique du mouvement nationaliste. Entre 1919 et 1922, en Vallée d'Aoste, les socialistes organisent des manifestations ouvrières, des grèves, l'occupation des usines et la mise à sac de la coopérative catholique. Les fascistes multiplient les actes de violence contre les adversaires politiques, agressent les ouvriers, dévastent les coopératives ouvrières, donnent l'assaut aux cercles socialistes et aux maisons communales, aux sièges des partis, des syndicats,
et des sociétés ouvrières de secours mutuel brûlent publiquement les drapeaux rouges et les journaux des adversaires. Sento parlare valdostano qui. Siete tutti della Valle d'Aosta? Sì, siamo tutti della Valle d'Aosta. Di dov'è lei? In Us. E cosa fa? Il minatore su Alacogne? Manovale. Manovale? Cottimista. Manovale cottimista. Mi spieghi lei che cos'è il manovale cottimista? Cosa fa? Manovale deve caricare i vagoni con la pala meccanica e dopo portare al pozzo chi parli. E quindi cottimista, cioè tanto di prodotto e tanto di guadagno? Guadagnato. È un duro lavoro. Lei di dov'è? Saremi boss. È duro il lavoro? Abbastanza duro. Insomma, quando uno ha preso la pratica si sente meglio anche sul lavoro. Si va Ma meglio. È duro perché il lavoro pesa o è duro anche, per l'altezza? È anche l'altezza stessa che ti manca quell'ossigeno. Che altezza allora, è colonna? 2400. Lei è il più giovane qui? Sì, più giovane. Quanti anni ha? 22 anni. E quanto guadagna un minatore come lei, un manovale come lei? Ma sui 2.500-3.000 lire al giorno. La faillite du Banque Réan en mai 1928 et du Crédit Valdôtain en mai 1930 furent les événements qui pesèrent de plus sur la situation économique et sociale de la Vallée d'Aoste au début des années 30. Les deux banques étaient l'expression du système de crédit catholique et fondaient leur fortune sur l'appui des paysans qui consignaient leur épargne à deux institutions censées défendre leurs intérêts. Le Banque Réan était expression de la famille du docteur Anselme Réan, un catholique libéral qui avait joué un rôle très important entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle en Vallée d'Aoste, tandis que le Crédit Valdôtain était la création du chanoine Jean-Joconde Stévenin, probablement le politique le plus lucide de la première moitié du XXe siècle en Vallée d'Aoste. Malheureusement, à cause de l'incapacité ou de la malhonnêteté de certains dirigeants, les deux banques eurent des difficultés économiques qui portèrent à la faillite des deux instituts de crédit quand Mussolini promut la politique financière dite de quota 90, c'est-à-dire il fallait que le taux de change entre la lire italienne et la livre sterling britannique devait avoir un rapport de 80-10 a 1. Ultimata la visita al bacino carbonifero, il duce si reca ora nella valle di Cogne, ai piedi del massiccio maestoso del Gran Paradiso, per salire alla miniera di magnetite di Colonna. È questa la più alta miniera di Europa, perché situata a 2.500 metri di altezza, ed è collegata agli impianti di frantumazione ed arricchimento di Cogne da un modernissimo impianto di teleferiche per il trasporto delle persone e del minerale. Qui il duce ritorna dopo 10 anni per constatare l'enorme sviluppo degli impianti e la imponente mole delle opere sorte nel regno delle nevi eterne per la indomita volontà costruttrice del fascismo. Terminata la visita in miniera, il duce è circondato nuovamente dall'entusiasmo dei minatori. Il suo nome, scritto a lettere enormi sulle asperità della montagna, come un grido solo, possente e devoto, echeggia tra le vette nevose. La faillite eut 3 graves conséquences. La première fut la ruine de milliers de familles qui durent partir à l'étranger pour gagner leur pain. Donc encore une vague d'émigration qui survint à la même époque où la Cogne et les autres usines appelaient des milliers de gens de la Vénétie et d'autres régions d'Italie.
donc un changement démographique majeur. La deuxième conséquence fut la perte du pouvoir économique de la part du groupe catholique, qui devint ainsi plus faible et dans l'incapacité de contrecarrer la montée du fascisme. Dernière conséquence, la perte de prestige de l'Église valdôtaine, qui avait représenté le pôle d'attraction pour le petit paysan. Dans ce cas aussi, fut le régime mussolinien à avoir des avantages et à gagner des positions, parce que la chute de confiance dans les prêtres, dans l'Église, dans les exposants du Parti populaire, donnèrent plus de force au régime fasciste qui venait d'établir de façon définitive son emprise sur la Valle d'Aoste. Al centro di una valle fertile e bella, forte ed industre, fondata dai legionari di Cesare, sorge Aosta, la sentinella avanzata della romanità contro il disordine della barbarie. Essa è ora sentinella avanzata del progresso e della nuova e possente civiltà dell'Italia fascista e imperiale. Ad Aosta sorge infatti uno dei più completi e moderni organismi industriali italiani, gli stabilimenti siderurgici della Società Nazionale Cogne, ove si producono i più pregiati acciai di qualità speciali, indispensabili alle moderne costruzioni meccaniche. Oggi, per la visita del Duce, gli stabilimenti, pur non interrompendo il normale ed intenso ritmo di vita, sembrano aver voluto assumere un nuovo volto, unico ed indimenticabile. Le bandiere si spiegano al vento, gli operai vivono gli ultimi momenti di attesa in ansia festosa. Il Duce è entrato nello stabilimento. En 1922, le roi Victor Emmanuel III, prenant acte de la faiblesse des autres partis, nomme premier ministre le chef des fascistes, Benito Mussolini, qui obtient le vote de confiance du Parlement. Mussolini impose une dictature qui va durer une vingtaine d'années, pendant lesquelles on supprime toutes les institutions démocratiques, on réprime toute liberté d'expression, on supprime les autres partis politiques et les organisations ouvrières. Les antifascistes sont persécutés, emprisonnés ou tués. La propagande fasciste passe par les journaux, l'école et les différentes organisations fascistes qui encadrent les enfants, les jeunes gens, les femmes, les étudiants universitaires, les athlètes, les travailleurs, dans le but de dominer la société dans sa totalité. En Valle d'Aoste, les violences fascistes continuent en 1922 et en 1923. On agresse les étudiants catholiques et le syndic d'Aoste. On occupe l'hôtel de ville. On donne l'assaut au cercle catholique à Béchanou. Des résistances se manifestent chez les socialistes et dans les milieux catholiques, qui soutiennent des idées régionalistes opposées à l'idéologie totalitaire et nationaliste des fascistes, qui s'y proposent d'effacer toute forme de pluralisme politique et culturel, en premier lieu, l'usage de la langue française. On supprime l'enseignement du français dans toutes les écoles. On impose l'usage exclusif de l'italien dans toutes les expressions de la vie sociale et on italianise les noms francophones des communes. On persécute même les prêtres qui prêchent en français et ceux qui parlent français en famille. Ces abus renforcent les sentiments régionalistes d'une partie de la population et un groupe de jeunes gens, guidé par l'abbé Joseph-Marie Trèves, constitue en 1925 l'association Jeune Valle d'Aoste, qui a pour but de se battre pour une Valle d'Aoste autonome dans le cadre d'une république italienne démocratique et fédérale. Thank you.
le régime fasciste, qui s'y propose de moderniser l'Italie, réalise en Valle d'Aoste aussi d'importantes innovations. En 1926, il crée la province d'Aoste, qui comprend aussi Ivrée et le Canavet, et construit de nouveaux quartiers et des édifices publics à Aoste. Il nationalise l'aciérie d'Aoste et, au détriment des communes, les eaux publiques, données en concession aux industriels qui exploitent les centrales hydroélectriques. Il Duce inizia ora la visita agli stabilimenti, seguendo il ciclo della lavorazione, ed assiste alla colata di un forno elettrico a ghisa della potenza di 12.000 kW. Questi forni, i più grandi finora costruiti, sostituendo gli alti forni soffiati per cui era necessario l'uso del carbone straniero, attuano un ciclo di produzione completamente autarchico. In essi, infatti, il calore necessario viene fornito dalla energia elettrica prodotta dalle centrali della società nell'alta valle di Aosta, ed il minerale di ferro estratto nella miniera di Cogne viene sottoposto all'azione riducente dell'antracite delle miniere di Porta Vittoria. Le régime fasciste, en tant que régime totalitaire, voulait contrôler la vie des Italiens et des Valdôtains aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire, contrôler la vie? Contrôler la vie signifie contrôler la vie sûrement pendant le temps employé, c'est-à-dire pendant le temps ou de l'école ou du travail, et contrôler la vie même pendant le temps libre. Pour contrôler la vie pendant le temps libre, le fascisme, le parti de Mussolini, avait créé des organisations. Et ces organisations s'occupaient de la vie des Italiens, des Italiennes aussi, des Valdôtains et des Valdôtaines, à partir, comme on disait à l'époque, de la culla jusqu'à la tomba. C'est-à-dire, on voulait suivre la vie des gens dès la naissance jusqu'à la mort. Il y avait la première organisation qui est l'ONMI, Opera Nazionale Maternità e Infanzia, qui s'occupait des femmes qui devaient avoir des enfants et s'occupait des enfants qui sont encore bébés, des enfants petits et des enfants avec des problèmes de santé. Ensuite, il y avait l'ONB, Opera Nazionale Balilla, qui prenait le nom de Balilla, qui était un personnage important pour le 19e siècle italien. En effet, ce garçon, au 18e siècle, avait guidé une révolte contre l'Autriche, contre les Autrichiens, et il a été pris comme modèle pendant le 19e siècle. Et ainsi, l'Opéra Nazionale Balilla s'occupait des jeunes gens, selon l'âge, si on était des garçons, on était figli della lupa, balilla ou avanguardisti. Si on était des filles, figlie della lupa, piccoli italiani et giovani italiani. Et qu'est-ce que faisait l'ONB? L'ONB s'occupait du temps libre des jeunes, dans le sens que les jeunes allaient à l'école, et une des phrases plus célèbres que même le journal local, la provincia d'Aosta, reportait, était avec Libro et Moschetto, fascista perfetto. Donc les jeunes allaient à l'école et étaient suivis à l'école, étaient formés à l'école comme jeunes fascistes, et ensuite sont formés par l'ONB. L'ONB s'occupait de fournir aux jeunes des moments de rencontre, des moments de jeu, des moments pour faire du sport, et donc s'occupait de la formation entière de jeunes aussi pendant leur temps libre. Pour les adultes, et hommes et femmes, on avait l'OND, Opera Nazionale Dopo Lavoro. L'Opera Nazionale Dopo Lavoro s'occupait de faire rencontrer les travailleurs, les travailleuses, pendant leur temps libre.
s'occupaient de leur fournir d'occasions de rencontres, d'occasions de divertissement, d'occasions de fêtes aussi. Pendant ces occasions, il y avait beaucoup de moments de propagande. Tout cela était fait pour fournir au fascisme la possibilité de continuer dans le temps. C'est-à-dire, on faisait tout cela pour former des fascistes, on faisait tout cela pour avoir une continuité dans le temps. Siamo al termine della visita agli stabilimenti. Il duce percorre rapidamente il reparto dei ferroleghe, in cui vengono preparati i correttivi necessari alla fabbricazione degli acciai speciali. Per raggiungere il grande piazzale, ove la massa compatta degli operai lo attende, e gli si stringerà intorno per dirgli tutto il suo affetto, la sua fede, la sua dedizione, in una unica, irrefrenabile manifestazione di entusiasmo. Con a fianco il presidente della società, senatore Silvestri, sale sul podio al centro della imponente adunata delle maestranze. Professionale, i laboratori, gli uffici, il duce si accinge a lasciare gli stabilimenti. Ancora una volta, al suo passaggio, questi rudi soldati del lavoro rinnovano il loro grido ed il loro saluto. Il nome amatissimo, scandito da mille voci, sale fra la corona di montagne nevose nel tramonto imminente. La politique nationaliste de Mussolini vise à affirmer la supériorité de l'Italie au niveau international. Dans le but de créer un empire colonial, il occupe l'Éthiopie en 1935 et l'Albanie en 1939. Elle sert des liens de collaboration avec d'autres dictateurs. Il aide Francisco Franco, chef du fascisme espagnol, à renverser la République d'Espagne en 1936 et à prendre le pouvoir, et établit une alliance avec l'Allemagne, soumise à la dictature nationale-socialiste d'Adolf Hitler. À la suite des guerres coloniales et sous l'influence d'Hitler, l'Italie adopte le racisme comme doctrine officielle, et des lois raciales sont promulguées de 1937 à 1939, qui affirment la supériorité de la race italienne et limitent gravement les droits des Africains et des Juifs.